Alors, vous êtes tous là? Est-ce que Wingo est là? Yes. Sur les bots ou les trash? Alors, il y en a un. Alors, je vais vous le dire. Le premier, c'est allumer les feux de cérémonie du temple en utilisant le souffle du sanctuaire. C'est souffle. Quel nom? Enfin, quel nom lui au fait? À bout de souffle. Ok. Ok. Le buff souffle du sanctuaire se prend au début du donjon dans la première salle. Et ce debuff s'enlève si vous prenez n'importe quel dégât de G20. Donc le truc, c'est de clear les trash jusqu'au troisième boss avant de prendre le souffle. Il faut pas tuer le premier boss, sinon le souffle du sanctuaire dépop. Et il suffit d'allumer les deux feux à gauche et à droite du troisième pour avoir le HF. Ok, donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est clean tous les trash. Faire le... Attends, premier boss, deuxième boss, troisième boss. Il y a des HF ou pas dessus? Le troisième boss, oui. Okay, mais bon, on s'en fout parce qu'on le fait avant. Non, il y a rien. Mais... Premier et deuxième, y a rien. On est d'accord. Y a rien. Oui. Ok, bah go to clean là déjà. Bah, il faut pas tuer le premier en tout cas. Enfin, c'est ce qui est écrit. Faut pas tuer le premier boss. Non, faut pas les tuer. Premier boss doit pas être tué, y a écrit. Non, mais on s'en fout, on peut passer à côté de toute façon. Oui, c'est le truc, c'est le but. On va droite. Que des big boules. Ok, on fait les mauvais droits. La flotte coule tyrassienne. Prends la chance. On a bientôt l'autre. Et allez, salut hein, on l'a déjà. Que vous ayez des invités. Poule, bonne chance à vous. Les poules. Des ok, intrus. Let's go. Alors, qui s'occupe de la femme, Adrien? Je t'en prie. Là où? Ça fait que de choses ici. Où elles sont. Je t'ai vu aller au boss en sautant en mode. Yeah, I'm ready, guys. Mais je venais juste de finir le pack. Je suis. Oh là là, vas-y, c'est bon. Ah, c'est bon. Moi non. C'est pas le beau derrière ton PC là. C'est pas le bon. Du coup, Adrien, tu le fais? de la femme? Mais non, j'étais pas sur internet. Hein. Adrien? De quoi, pardon, oui? Adrien est disponible. Absolument. Très bien. Adrien fera la flamme. On peut sauter là? Oh yes! Oh, excellent ça. Ah, c'est bon. Je mets instantanément ma monture. Ensuite, vraiment un gruyère cet instant. Vous apprendrez quelque chose après. Je vous ai laissé avancer tous. Non, moi j'ai attendu, donc regarde. Moi je t'ai regardé faire des. Hein bah quoi, je tous. Hein. Regarde, je suis là en même temps que toi. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Oh, en fait, on a fait. Et ça, on pourra le prendre avec la flamme, ça? Oui, tu peux le prendre ça. Là où on est. Oh, quel bonheur! Hop. Cliquez. Mais en réalité, pourquoi vous revenez avec moi? Y'a pas besoin, en vrai, non? C'est vrai, mais on va te lead. Ouais, on va venir avec toi. Ok, c'est énorme. On va pour savoir faire. Ouais. On est sur son clavier. Ah, mais c'est trop bien! Je suis le porteur de la flamme olympique! Regardez! Olé! Alors, faut que j'allume les premiers de l'instance, là, attends, les deux premiers là, où, là? On va dire que oui. Ah, mais t'as cliqué sur le bras 0. Et de 1! Mais attends, what the fuck? Reclique sur qu'est-ce le bras 0. En train de faire? Attendez-moi, et de 2! S'il vous plaît, attendez-moi, s'il vous plaît, j'aimerais bien. Je sais pas ce que je fais là. Flora? Oui. Tu cliques là? Oui. Faut tous les allumer? D'accord, merci. Il suffit d'allumer les deux feux à gauche et à droite du troisième boss pour non, avoir non. le haut fait. Non, il faut les allumer partout. Ok, ah ouais. Ok. En gros, autant tous les allumer pour être sûr. Écoutez, ouais. Moi ça me coûte rien de les allumer. Je les allume. Hein. Ça me fait plaisir. Non, du coup, là, si je rate le saut, c'est terrible. Ouais. J'attends mon cheval. Ah, mais non, c'est bon, je peux le faire en mount. J'ai. T'en as un au-dessus là. Ah, ouais, j'y vais. Et là, celui-là, tant pis. Ok, tant pis. Ah, peut-être que non. Attends. Attends. Salut. Je prends le truc, vous êtes sûr, alors? Mais il y en a je pas. Je prends là-bas. Le truc. Il y en a pas à faire de l'autre côté? Il y a des bras zéro à faire là-bas, non? Je sais pas. Non, on va check. Check. Il est en train de check Ono là. Ono est loin du clavier. Actuellement. Ono, il check toutes les infos là. De quoi? Non, je check rien du tout. Hein? Comment vous savez que j'étais en train de taper sur le clavier là? Non, mais c'est juste côté. Quand t'es immobile et mute, ça laisse des indices quand même. Désolé, j'étais en train de. Ouais, c'est ça, à chaque fois il s'excuse aussi, tu crois que ça marche? Oh! Oh là là! Oh là là! Je croyais que j'étais coincé. Quelle mauvaise humeur celui-là! Pas possible! Je suis vraiment le climber! Oh, yeah.
Bah t'es un peu le Palakasi quoi. Je suis totalement le Palakasi, alors là je vous le dis. Je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. Il est parti pour relever le record. La flamme olympique est en marche vers les sanctuaires. Comment on c'est met où le reste? À genoux, se met à genoux. Ah oui. Slash kneel. Kneel. Kneels. Benzuki. Kneel. Vous laisserez me montrer l'orthographe hein, avant que je l'écrive parce que c'est je pense où que sinon. Attends, j'aimerais bien voir au moins. K-N-E-E. C'est tout au fond, c'est à gauche et à droite. Ou slash genou, c'est vrai que c'est bien aussi. Slash genou. Trop de la merde. Tu vois les petits bras zéro autour de boss là, tu peux aller les allumer. Non, je vois pas, mais je pense que c'est à côté des bougies. Tu vois les bougies à côté, là. La croix. Ouais, à croix. Quoi? Je suis idiot, quoi. La croix, je t'ai mis une croix. Là, une croix là. Ah. J'aggro pas là? Non, normalement non, mais faut vraiment pas t'approcher. 100% j'aggro. T'aggro pas, je te promets. Non, vas-y. Hop là, 1200 PO. Attends, ça la trigger, vas-y. C'est moi qui a distract. Ah d'accord. Oh nice. C'est bon. Ok, alors attendez. Ne touchez pas, je vais le reset. Ouais, go, le marteau. Non, le DPS. Non. Premier au DPS. C'est celui-là, il va être galère. Attendez, je vais vous expliquer le fait. De toute façon, on attend 3 minutes, on s'en fiche. J'ai genre, tout claqué, mec. J'ai tout claqué. Ok, bravo pour le fait, déjà. Bravo, Adrien. Bravo à tous. Ok. Alors. Pardon, excuse-moi. Il faut vaincre le seigneur chantourage contact avec le vide éveillé. Le vide éveillé, vous savez, sur ce boss, c'est les petites boules violettes qui fait spawn. Oui. Et c'est là qu'on se fait CM et qu'on doit sauter les petites boules d'habitude. Oui. Là, même le mec CM, il ne doit s'en prendre aucune. Enfin, c'est pas un CM en réalité. Enfin, d'accord, j'ai compris. Voilà. Le hostile. Et du coup, là, on va quasiment tous avoir deux boules et va falloir les kites pendant tout le fight, tuer le boss le plus vite possible et ne jamais en toucher une. Voilà. Qui vous dit que je suis un homme? Hein? Ouais, laisse tomber. Et donc, c'est quoi la suite? Bah, c'est tout. Ça, ah d'accord, c'est facile. Ça, c'est quoi la suite? C'est complètement juste l'exploser en fait pour qu'il en fasse le moins possible. C'est parti, 3, 2, 1, tu peux Je prends le premier kick, Wingo next. Donc si on est CM, juste on se prend aucune boule, voilà, y'a que ça à savoir, on est d'accord. Et oui, et sinon tu kites. Parce que tu vas en avoir. Tu sais, vous pouvez tous immune. Quand je vais vous le dire là, claquez tous vos immunes. J'aimerais savoir un truc. Ah oui. Oh, bientôt immune. Personne n'est CM. Voilà, merci. LOL. Du coup, j'ai ma réponse. Voilà, là, vont tous bouger. Bougez tous. Oh. J'adore mes tips de dernière seconde, pas prévu à la base. Difficile. Comment on fait? Difficile. C'était chaud. Compliqué. Oh, c'était chaud de ouf. C'était chaud de ouf. Les boules. J'ai le buff, mais ça m'a enlevé le. Ah non, c'est bon. C'est normal, ça. En fait, c'est. Ah, super Adrien, ça. Qu'est-ce qu'il t'a. What the fuck? Et là, c'est parti. Là, t'as tous les enfants qui sont. Qui s'est fait. Mais... Attends, il s'est fait. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Et là, y'a. Putain! Redonne-moi la force! Arrêtez, c'est pas marrant! Eh les garçons, vous êtes nuls! Ok, go manger. Go manger là avant de repartir. Il y avait la joie là-bas en mode putain, mais quelle bande de cons! Tuez-moi. Non mais il faut vraiment qu'on soit sérieux, sinon on va devoir le refaire. Qu'est... C'est le meilleur boss. Oh. Allô? Oh, j'ai réussi à manger pendant un truc de 20 secondes sans qu'on me sape, yes! Osef, j'ai. Ah, attendez, je suis sap, il y a devant un rogue sur moi là. Sachant que là tu pouvais nous heal, hein, Adrien, t'as vu? Oh! Bah ouais, mais regarde, j'ai fait un peu trop tard sur Juice et du coup Orion. Ouais, y'a de grandes chances. Oui, il faut Pacos, il me dit sur le stream de Pacos. Ouais, non, faut Pacos. Donc du coup, Adrien, quand tu reviens, tu les préviens et ils vont vraiment bouger de ouf. Et ils vont arrêter de DPS. En fait, la dernière phase, Winko, Juice et moi. On arrête de DPS. Ah mais attends, j'enlève Shuriken et Technique Secrète du coup, j'enlève tout là.
Pour pas que ça vous fasse de l'AE. On est d'accord. Moi je vais déballer. Je sais pas comment on fait, mais au moins c'est du bon côté maintenant. Enlève ton ces sites aussi. De toute façon, j'ai compris. C'est comme d'hab, sauf que je vous huile pas et je bulle pas. Voilà, c'est pareil. Alors je vous rappelle juste un truc. Toutes les habilités sont esquivables sur ce boss. Oui. On rappelle juste un truc, aux deux rogues et aux mages surtout. Oui. Voilà. Mais juste pendant la deuxième phase, quand on doit quitter tout, essayez de clear vocal pour que ce soit le plus simple possible. Absolument. Let's go. 3. Je sais pas si le chose à écouter. 1. Let's go. On BL sur la phase de Zera de toute manière. Yes. Putain, c'est terrible de pas pouvoir utiliser son filler en fait. Oh! Par contre, les tentacules, les cœurs. Voilà, les gars, les amis, je vous garantis que vous vous êtes pas aidés. Hein. Mais vas-y, go. Mais ça va être pas mal. Ah, je peux plus vous heal. Débrouillez-vous! Je suis sur vert. Putain, j'ai taunt. C'est toi que j'ai taunt, Zera. Fais gaffe, c'est bon, je l'ai. Vas-y, au secours! T'es passé devant, là, tu dis de late. C'est nimp. Faut kick le mien, oh non, si tu peux. C'est bon. Faites gaffe aux tentacules juste. Vous êtes pas bien tous niveau HP. C'est n'importe quoi par contre. J'ai pas de kick. Faut un kick. Ah, je l'avais. Ok, bon. Kick prochain. Je prendrai le boss. Vous laissez Zera au cac. Et ça démarre. Ouais. Et je vais UBL, donc, vous me dites. C'est kick et BL, c'est parti. Ok, attends. UBL. Shuriken. Y a une manifestation derrière moi là. C'est normal. Non, faut pas les tuer, c'est comme d'hab, c'est la même strat que d'habitude. Ah, mais j'oublie tout, moi je suis. T'inquiète pas. Je vais venir de ton côté, Zera. Fais le tour, Zera. Fais le grand tour. Parce qu'il y a toutes les manifestations. J'ai plus le sky step. Ok, vous pouvez DPS là un petit peu. Flora DPS au cac, quand Zera il est pas là. Ok. Et c'est bon, là on le finit. Zera va le terminer. Tombe-le. Bravo. Nice. Bien joué. Oui, maintenant ça part. Et là ça part. Ça non. Oh, cher. Alors, est-ce que vous voulez que je vous lise les hauts faits de cette instance avant qu'on commence, comme ça vous savez, sachant qu'on va devoir beaucoup s'arrêter. Alors, le premier hauts faits c'est sur Goliath des âmes. Il stack le buff récolte d'âmes toutes les 2 secondes. Et il faut qu'il n'atteigne jamais 12 charges. Et en gros, pour valider le fait, il faut calquer le boss dans les flaques de feu de brousse qui spawn dans la zone pour éviter qu'il... Ça sera que mon taf, ça. Ça, c'est que ton travail. Le dernier fait, c'est sur le dernier boss, c'est détruire 3 cadavres d'esclavagistes touchés par la mort à l'aide d'un seul feu alchimique et 20 Goraktul. Voilà, et sinon, du coup, il y a le truc sans profession. On va devoir trouver le mob, travailleur du cuir pour toi, Juice, couture pour moi, herbo pour toi, Wingo, calligraphie pour moi et cuisine pour toi, Adrien. Oh. Voilà. D'accord. Tu vois le pavillon de chasse, il y a la couturière qui est dans le hall du banquet, la salle du banquet au premier étage. Il faudra trouver un métier à tisser. Il y a herboriste, je ne sais pas où c'est. Ah si, la fontaine dans la cour où il y a le Goliath des âmes. Il y aura une sacoche, il faudra cliquer dessus. Ok. Calligraphie, il y a une bibliothèque à l'étage principal. Juste avant de descendre dans la cave, il faudra trouver un ancien tome dans la bibliothèque. Et dans la cave, il y aura du vin, mais tout on s'arrêtera. De toute façon, moi j'ai forge ingé, cuisine, je ferai ce que vous me dites. Voilà. Normalement, il y a un truc qu'il faut que je récupère ici. Oui, Wingo, viens cliquer sur l'item là, tu lui parles et tu lui dis quelque chose. Ouais, je lui dis ouvrir la cosse immature, voulez-vous vraiment faire ça? Je lui dis oui. Oh oui. Voilà, oui. Et là, c'est le paysagiste Lily. On aurait dû essayer de le faire par quelqu'un d'autre pour voir. On essaiera sur un autre item. Je pense que ça doit dire rien ne se passe, tu vois, un truc comme ça. Voulez-vous vraiment faire ça? Genre il te rappelle à l'ordre quand même. Hein. Vraiment faire ça? T'es sûr? T'es sûr de toi? Voilà, et elle a bien parlé de mon suivi. T'es souhait. Une dame de Lazérite, énorme. Ok, vous êtes prêts? Oui. Ouais. On est tous au cac. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. Je me suis dépêché de faire des comptes, du coup. 3, 2, 1, c'est parti. Et... Merci beaucoup, Janège 08, on va dire, pour le sub. Merci beaucoup. Faudrait du feu là, ok. Merci beaucoup pour le sub. La mène dans le feu. T'auras besoin de heal, hein, Zera. Oublie pas. Parce ouais, que tu me dis quand ça burst. Bah là, il y a un peu de heal à faire. Ok. Et là, je garde le feu à côté. Ok, je vais prendre un nouveau feu. Est-ce qu'il touche là le feu? Je vais prendre l'autre. Ah, l'aise.
Et épine sur moi, épine sur moi. Ouais, on vient t'aider. Là, t'as un petit peu de heal à faire, à nouveau. Ok, deux stacks. Ok. 5 stacks, et je le passe. Et on peut le finir derrière ça, normal. 4. Il peut y avoir une autre personne verrouillée. Bientôt. Ouais, cac. Ouais, c'est le boss, je pense. Finissez le boss. Ouais, oui, oui. Tiens, je meurs. 6. Bravo! En gros, ce boss, c'est. Je te reste. Oh, non, pas la peine, pas la peine. Go, tu l'as pas eu? Ah, si. Mais du coup, t'as cliqué sur le truc de la cave avant? Non, c'est où? Bah. J'avais pas un item ici. Non, mais c'est ici la cave, c'est ici la cave. Mais c'est où? Dans quel. Cliquer sur quoi? Un tonneau? Faut cliquer. Cuisine. Le vin se trouve dans la cave, juste à côté des autres cubes de vin. Genre là-bas. Ici, il y a un truc que tu dois pouvoir cliquer. Ici, là, non? Là, y'a rien là. Ah, mais c'est là, vous êtes par là, là. Ah oui, c'est là, c'est là, c'est là. Viens, c'est, là, c'est, là. C'est ici, ici, là où je suis, Yoza. Le petit truc bleu à côté. Va ou pas, sur le côté. Oh. Le vert violet? Ouais, le truc violet, là, c'est ça. Non, c'est pas ça. Si, le vin aigre. Si, le vin aigre, là, ouais. Juste à côté de moi. Donc, ah oui, la bouteille, ok, je croyais le vert. Je croyais le vert en dessous. Bon, je vais attendre qu'on finisse, quand même. Attends, je vais essayer. Pas cuisine du coup, je vais essayer. Voir si on peut enchaîner directement à l'échelle. Mais tu pourras pas, hein. 100% pas. Enfin, ça va te faire un message, mais. Parce que t'es 75, non? Non, non, c'est juste pour tester, voir si ça marche, si t'as pas le métier en fait. Attends. Laisse-moi lui parler. Ok, bon. Bien que le contenu de cette bouteille ait tourné depuis longtemps, elle pourrait encore intéresser un cuisinier expérimenté. Prendre la bouteille. Voulez-vous vraiment faire ça? Oui. Voilà, et là, Sarah, okay. Vigneron en chef, Justin. Il se bat avec deux chopes, il est en mode. Je bois sec. Regardez ça, quoi. Mob de c'est mort. Bam, 35 d'azérite, gratos. Putain, yes quoi. Yes! Yes! 0,05%. Yes! Simplement. Moi je suis pas sûr de comprendre la capacité là. La capacité qu'on va faire? Ouais. En gros, tu sais, sur le boss, à chaque fois qu'on tue un nap, il fait un sort au bout de 25 secondes qui est relever les âges. Tu sais, il les fait revenir à la vie. En ouais. Gros, pour pas qu'il revienne à la vie, faut lui lancer juste une potion qui tombe au sol et qui les enflamme en fait. Okay. Là, le but c'est qu'on va tuer les deux premières, on va pas les brûler. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va les réinvoquer, il va invoquer le troisième. Là, on va tout clean, on va cleaner 3 à la fois et on lancera le feu à ce moment-là. On aura cleané 3 et du coup, on aura le HF à la fin. Voilà. Bon, j'ai compris, hein, mais il y avait Goraktul qui foudait le vocal. Et du coup, au début, allez-y doucement au DPS, on le met à 20%, d'accord? Enfin, même okay. Non, à 30% parce qu'il faudra clean les ads. Donc, 30% et voilà. Attendez, attendez, vas-y, non, vraiment, faut vraiment qu'on y aille doucement, même plus que 30%. Parce que viens au cac dès que tu pourras le rassurer. Du coup, c'est normal la BL? Bon, on se fait plaisir. Ok, donc là, il y en a un pour le moment. Donc, est-ce que. Prends l'élixir, Zera, derrière toi, s'il te plaît. Et garde-la ouais. Avec toi. N'utilise pas pour le moment. Non, ça a pas marché. Ah, si, c'est bon. Non, non, faut pas la prendre hein, pour nous. Tu l'as pas utilisé? Dis-moi quand je la use. Non, non, non. Voilà. Ok, donc là, on en a deux. Donc, on attend encore le prochain. Là, ne tapez pas. Ne tapez pas. On attend le prochain relevé et ensuite on finira le boss. Ok. Donc là, faudra éviter ce qui vient de se passer. Vous avez vu là, par exemple, ils sont split. Donc, faudra surtout pas qu'ils soient split comme ça. Donc, faut ah oui, faut qu'ils soient collés. Vraiment, ouais. Sûrement. Ok. Donc là, il va les ressusciter. Attendez, attendez. Ne tuez pas, ne tuez. Oh, hein? Donc, ok. On va tuer les trois à la fois. Ne déspécifiez plus. Là, il les reste. Ok, on tue les trois, c'est parti. Là, faut les paquer. Là, faut bien les paquer. Voilà. Ouais. Venez tous au cac. Venez tous au cac. Faut bien les paquer, après je mets l'élixir, j'ai compris. Donc là, il va y avoir énormément de dégâts sur tout le monde, Zera, tu vas voir. Tout le monde va prendre la sentence. C'est des persos, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on le les tue. Le boss. Ok, faites le boss. Non, attendez, non, non, pas le boss, pas le boss, pas le boss, pas le boss, boss. Mais non, mais gaffe au boss, c'est ça que je voulais te dire. Ok, utilise la flaque. Ok, tue-le. Attention.
a marché là. Oh nice. Nice. Je pensais que ça avait pas marché. Oh, c'était chaud hein. C'était tellement chaud. Oh là là. Là c'est la cave. Ok, donc là c'est... ça doit être ici. Là, ici, ouais. Venez. Le tome ancien il est là. Venez où je suis. Bah vas-y. Ah oui, il est là. Là. On a fait. Vous êtes prêts? Vous êtes tous là? Ouais. Oui, je veux vraiment faire ça. Non. Non. Sérieux? Non, c'est mort. Ouais, je te les taunes, toi, y'a un problème? Je vais mourir. Ah non. Peut-être mourir, moi. Bah, vu que j'étais en train de répondre à une question, je t'avoue que j'ai pas vu qu'elle était partie. Et du coup, j'ai juste entendu un. Je te les taunte, et tu sais, ça a mis 2 secondes à atteindre le cerveau, et après j'ai fait. Ah, du coup, il m'a vraiment taunte. Et la stab du banquet, on était dedans juste avant, non? Bah, cherche, hein, Florent. Ah, je l'ai, il est là. Ah, tu l'as? Ok. Vas-y, fais le pop, hein. Fais le pop, ils font rien, les mobs. En vrai, tu peux le faire pop. Tu peux. Vas-y, vas-y. Ouais, je pensais que je pouvais pas le faire en combat. C'est bon, il est oh là. Oh non, il est là. Écoute, rien. Tête de mort. Oui, oui, mais je suis fier en permanence. Pas du tout, tête de mort. Joanne. C'est le mec derrière là, il a un super fan. Arrête d'être chiant pour là-bas. Est-ce que quelqu'un peut le kick, le couture? Ça, il a été ses sites. Ah, de grandes choses. Il m'a saoulé. Il tire un coup. Et après, est-ce que tu peux dispel pour rester sur la couture? Mon manoir est plus grand? Oui, mon manoir est plus grand, oui. Mais je veux dire, il est quand même pas mal. C'est parfait. Le prochain faudra juste. Je l'ai BE, hein, du coup. Ouais, ouais, t'as bien fait. Le prochain faudra un spell steal à nouveau. Ça, on peut pas kick. Essayez de kick là. Rogue. Non, c'est. Y'a le bouclier. Y'a le bouclier, okay, c'est. Nice. Nice spell steal. 4 points de combo pour rien. Il y avait le bouclier. C'est vrai. Ok. C'est à moi de trouver le truc là ou c'est à Flora de trouver le truc? Je sais, si, pardon. Putain, les lustres, voilà. Ils sont en gouvernail de bateau quoi. Archi lourd. Ouais. Ah, une carte au trésor là. Vous êtes prêts? Oui. Oui, oui. C'est parti. Let's go. Nickel. Ouh. Bien joué. Proportionnellement au perso, ce plafond est à 10 mètres. Non, même plus en vrai. Bien joué! Il nous restera Super Batteur 3000, Brutique Noir Enclume et Lise Vilpo. Yes. Ok, alors. Alors. Au fait qu'il va nous prendre toute l'instance, enfin qu'il va être dans la durée, c'est hors de préférence et il faut servir à Jaka son mets préféré. Pour faire ce fait, il faut aller chercher 3 objets dans l'instance. Il y a le bol vide de Jacasse qui spawn dans le nid à côté du premier boss après l'avoir tué. Okay. Il y a la nourriture raffinée pour perroquet qui se trouve en haut d'une plateforme dans le quartier du Rhum. Mais du coup, c'était en anglais, j'ai mal traduit, donc je sais pas. Mais on l'aura, t'inquiète pas. C'est... Okay. Voilà. Et servir le repas de Jacasse se trouve à côté de Jacasse après le troisième boss. Voilà. Bon, bah, c'est facile. Ça, c'est pour servir le repas de Jacasse. Ensuite, c'est sur Arlan's Wit, donc Arlan's Wit et Krag. Donc, c'est le premier. Alors, le premier boss, il faut. Ah oui, bon, ça on verra après. Vas-y, on va dans le premier point. Ok, gauche route, mettez-vous en monture. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, tu vas sortir ta table de jeu d'Hearthstone. Ah oui, c'est vrai, il faut faire une partie d'Hearthstone. Enfin, faut faire pop un mob. Ouais, et en gros, il va poser son plateau de jeu d'Hearthstone, c'est un jouet. Et en gros, quand on va commencer le boss. Là, je sais pas s'il va sortir de la table ou quoi, mais il y a un mob qui va spawn. Il va falloir tuer ce mob, et ensuite tuer le boss. Voilà. Il faut que je le pose où le plateau Hearthstone? Bah, un safe spot. Et genre là, si je le mets au milieu, non? S'en fout? Bah non. Mais un safe spot, pourquoi? Parce que... Je sais pas. Attention, il faut placer le plateau à un safe spot, Nanoï spawn une fois le combat engagé. Et amène-le... Voilà. Ah bah ouais, c'est bon. Ah bah c'est bon. Faut le tuer maintenant? Ouais, ouais. Oh. Non, c'est terrible, vas-y, tu peux BL. Ah bon? Ok, ah, nice. Vas-y, vas-y. Ah, mais au secours, il fait des charges random. Ouais, ouais, il fait des charges et c'est pour ça que j'ai fait. Ah, j'ai été stun pendant ce. Oh non, c'est pas gentil, Nanoï. Voilà, c'est bon, on peut tuer le boss. Oh, Nanoï, ça y est. Pourquoi c'est caché, sans déconner? J'ai vu que c'est trop bizarre, je sais pas pourquoi. Mais là, il y a peut-être des joueurs d'Hearthstone qui peuvent nous dire, est-ce que ça a un rapport.
avec le jeu, ou est-ce que les joueurs d'Hearthstone, vous voyez une référence que nous on voit pas, parce que moi je joue pas Hearthstone du tout. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un truc qu'on... Alors on me dit non, non, j'ai certains oui. C'est une carte d'Hearthstone. Mais d'accord, c'est une carte d'Hearthstone, mais pourquoi elle serait ici et tout? C'est un pirate, je pense. Et du coup, comme Nanoï... c'est un mode pirate... Nanoï, c'est invoqué du deck quand tu joues pirate. Aucun, c'est juste deux pirates. Rapport avec Hearthstone, il est dans tous les decks pirates, 1-1 charge, Nanoï. Ah, du coup, c'est normal. Ok, donc c'est quand même le mob, c'est quand même un mob du deck pirate, quoi. Quand il y a un pirate, il gagne charge. Ok, ok. Attention. Non. D'accord. Oui, mon chat m'a dit la même chose. Plein de spam. Ok, stylé. Et ben bravo. Pourquoi on a... Ok, et là, du coup. Ah oui, d'accord. Jacasse, il y a un truc ici, dans le nid. Dans le nid, ouais. Il faut ramasser un truc. Le bol là. Là, le bol vide de Jacasse. Et c'est faut qui le ramasser. Qui le ramasse? Tous? C'est qui ouais, qui l'a pris? C'est moi qui l'ai pris. Bah, okay. Tu l'as. T'as quoi? T'as un extra bouton? T'as quelque chose? Non, j'ai rien. Non, 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 je pense pas. Faut juste non, le prendre, quoi. Y'a que toi qui peux le ramasser. Ok. Mais du coup, okay. prends-les tous tout le temps. Ouais, oui, prends-les oui. tous. Alors, on monte à gauche, là, on va voir déjà sur cette baraque. Ça y est, bah, c'est bon, il est bien désactivé. Moi, je sais où il est, il est plus en haut encore. Genre, il est. Fais gaffe à toi, il y a des mobs. Hein, il est là, tout droit à droite. Il doit être. Il doit être. Là-bas, il est là, il doit être là, attends. J'ai stun, hein. Ça doit être ici. Si, ici, ici. Si, je clique. Okay. C'est bon. Vas-y, on peut repartir. C'est bon. C'est joli ici. Ouais. Voilà. Le truc de Jacasse, là t'as les deux items. Non, il en faut un troisième, c'est ça? Il faut que je lui serve. Et... que je lui serve. Ouais. Ah, mais c'était avec deux items que tu pouvais servir, c'est tout? Oui. Ok. Mais en fait, c'est juste de l'interact. J'interacte avec le bol, avec la nourriture et avec le servir. Et voilà. Ok, alright. Bon, bah facile. Allez, tiens. Mange alors. Ton... mange ton blind. Sur ce boss. Alors, je vous lis le fait. Il faut détruire les trois coffres. Donc, il y en a un à gauche là-bas, à gauche du boss sur l'épidore. Il y en a un ici là où je suis. Oui, les signes. Il y en a un ici et il y en a un là-bas. Il y en a un là où je suis. Et du coup, quand il fait barrage au canon, je crois que c'est le truc où on doit faire 1, 2, bouger. Ah ouais, ouais. Faut placer il les faut trucs dessus. Les placer sur les coffres. 2, 1, j'en ai affronté. Est-ce que je peux VL? Non. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Hein. Oh, vas-y hein. Et au pire, si c'est vraiment la merde, on stoppe DPS. De toute façon, c'est à 60% qu'il passe en mode. Ah ouais, en fait, c'est okay. Un reboot low. À 60%, il gagne un jet de dés et c'est là qu'il va commencer à mettre des bombes de main sur tout le monde. Ok. Vas-y, je vais m'éloigner. Non, là, il va invoquer. Et là. Ah, attends, ah, zéro, attention. Voilà, c'est bon pour nous, celui-là. Être détruit bah, okay, mais il est détruit. Ça. Ok, donc, là, je vais sur vert. Ouais, voilà. Là, vous allez tous l'avoir et après, on finit le boss, tout simplement. Okay. Ne tapez pas trop vite, faut pas qu'il passe sous 30% parce que sinon il retarde ses trucs. Ok, maintenant, et là ça devrait finir. Voilà, c'est bon. C'est bon pour attention, moi, Zera. Pardon. Okay. Non, Flora, pardon. Répandez leur trait sur ok, ça a l'air bon, ouais. Ok. On a vraiment fait facile, du coup, ouais, moi j'étais pas du tout. Moi j'étais parti sur les amas carrément de gold. En fait. Oh, ça m'a. Et en bas oui. C'est un des OP les plus simples, par contre. C'est vraiment oui, de la daubasse, quoi. C'est tendu, quand même. Ah, les gars, c'est chaud, là. Les gars, faut des on reste concentré, s'il vous plaît. Ouais, faut plus sur le target, s'il vous plaît. Et voilà. Et donc là, normalement, alors si vous pouvez servir Jacasse. Oh, ça oh, bah, ça fonctionne quand même. C'est. Ah, c'est tout. C'est pas ici. Le coup de stress. Ah, une défensive démontée! C'est où qu'il faut le nourrir? À droite là-bas? L'arène du butin, c'est juste oui. Au-dessus, c'est voilà, la plateforme juste au-dessus. Mais t'es sûr oui, que fallait pas le faire avant qu'on down les boss là? Moi ça m'inquiète ce truc là. Mais non. Là, venez tout droit, tout là y'a pas besoin de shroud. Là y'a pas besoin de shroud pour le moment. C'était au cas où, mais y'a même pas besoin de shroud normalement. Nice shroud hein les gars. Merci les rogues. Pas de soucis. Et là tu peux prendre la dernière qui est ici. Enfin, il faut qu'elle remplisse le repas de Jack. Voilà. Ah là c'est bon. Bon à tous. Oh, trop mignon. Bah j'espère que tu vas loot la semaine prochaine parce que t'es vraiment très très mignon. Alors le dernier faut être stun en même temps, donc au alors, pool on se fait stun et voilà. Au pool, on va tous gigoter dans tous les sens, être stun en même temps et finir le boss. Non ouais, mais à mon avis, enfin à mon avis c'est juste, en fait on gigote pas, vous laissez votre marche auto avancer et en fait Ono, toi tu avances avec et nous on continue de faire le tour du balcon en fait. Oui. Non mais il faut être placé quand même pour après, pour se replacer. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande quoi.
dangereux. N'importe quoi. C'est parti. Oh mais on bouge, bougez, full. Ok, good. Voilà. Et là, on fait placer dans le coin. On utilise les places habituelles, mais dans ce coin-là, d'accord? Okay. Ouais. Venez vous placer. Moi, je suis là. Ne bougez plus, après, surtout. Crossing Nation, faites attention. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est nice. Il y a eu un call. Ah, alors, oui, body pool plus mourir à la première phase. Je vois. Je vois que c'est l'instance du ruinage. Je ne suis plus concentré du tout. Ça, je vais me faire stun. Non. Je peux pas bouger. Trop marrant. Attention à éviter ça. T'es pas vraiment genre. Trop marrant. Est-ce que le transfert c'est bon? Ouais. Oui, le transfert tu peux. Ok, Crossing Nation, attention. Tire. Ça, je peux pas te le sauter. Mais ça, normalement, ça ira. Pour un retransfert. Ah bah super ça. Justin, quel bolos quoi. J'ai l'impression que Flora joue cac en fait. Elle est à 40 mètres, elle peut continuer à cast, mais elle dit oh bah super quand même. Hein. Ça c'est. Sans signation. Non, Justin, putain, voilà. J'arrive pas à déstack. Oh. Faut que je te montre le replay. C'est tellement drôle. Je t'ai vu stun, tu fais oh, je suis stun. Et alors là, il y a un canon qui a fait POU. Il y a le troll qui part au même bout de la salle. Et du coup, là, tu l'auras quand même, le ouf. Bah, je pense, j'espère. Bon, on verra. De toute façon, après, on reset donc. Attention. Oh, tellement drôle. Mais putain, c'est vrai que j'aurais pu avec bloc, mais je m'attendais pas à me faire mitrailler. Ça suffit. Attention. Oui. Bien joué, on l'a tous. Bravo. Oui. Ah oui, il y a au fait. Le office, il est un petit peu compliqué. Ok. Il va falloir que chacun s'occupe d'un baril. Ça s'appelle explosion annulée et il faut vaincre le capitaine sans que les barils là. Barils là. Pardon. Les barils. Ok. Il faut le tanker au milieu et placer les barils à côté du chevalier capitaine. Et les quatre autres joueurs, hormis le tank, on va jouer autour du boss. Ok. Avec nos barils. Ok. Il faut sortir les barils du feu à tout instant. Le boss va cast 3 habilités. Embrasement. Il est cast sous les pieds des joueurs. Il faut bouger le baril à côté. En fait, au lieu de sortir juste, on prend le baril et on s'en va. Ah ouais, la vache. Okay. Braise flamme. Oh, ça va être chaud. Et lorsque le chevalier capitaine caste ce spell, il faut bouger le baril de l'endroit où est tourné le boss. Donc le mec qui est devant, il faut qu'il prenne son baril et qu'il l'enlève. Et allume mèche, quand un joueur a ce debuff, il faut qu'il bouge instantanément d'à côté de son baril et qu'il attende d'être dispel. Donc il faut pas dispel un CD. Wingo Béar ? Oui, oui, tout le monde est là, je crois. Oui, Wingo Béar. Oui. Il est derrière moi, énorme. Eh bien on est prêt, quand vous voulez. Bon, je mets pas ma bouffe fridge, j'en ai rien à foutre. Let's go. 3, 2, 1. Le fichier bouffe fridge, j'en ai plus rien à foutre. Non mais c'est vrai. Le mec tellement vénère. J'en ai plus rien à foutre, de toute façon ça change rien. Il faut juste prier les dieux blizzard.fr là, c'est bon. Non. Éloignez-vous de vos tonneaux là, vu qu'elle va faire du mèche. Une spell. Merci. Attention. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ok, c'est là-bas. Oh. Je prends l'autre aussi, on sait jamais. Okay. Là, faites attention, éloignez-vous de vos tonneaux parce qu'elle va casser la lune mèche. Si elle refait comme tout à l'heure, voilà. Sur Flora, je vais éloigner. Sur moi, vas-y, dispel. Voilà, nickel. Là, je déplace ce tonneau, je le rapproche. Voilà. Et là, il y a un tonneau loin, vous pouvez le rapprocher à nouveau. Je le rapproche. Voilà. Là, elle va casser l'embrasement. Là, les deux sont proches, vous les prendre. Ok. Parfait. Nickel. Ah, tu vas vous dire. My bad, je suis trompé de la capacité, je croyais que c'était l'embrasement. Embrasement, là. Embrasement, là on les déplace tous. On les déplace tous. Et allume mèche sur. Allume mèche, déca. Sur le dos. Wow, la vache. Ok, ça va. On a eu un timing horrible là. Ouais. Ombre flamme, bref, okay, les deux devant. Vas-y, vous en occupez. Déplacez-les. Oh putain, la vache. Ok, allume mèche, attention. Sur moi. Sur toi, vas-y, dispel Wingo. Non, c'est bon, ah, normalement, là encore. Eh, bougez un peu les tonneaux là. Il faut qu'on la rapproche. Vient faire allume-mèche. Il va faire allume-mèche. Éloignez-vous de vos tonneaux. Adrien, lâche ce tonneau. Ok. C'est enlève bon, le tonneau. Bon, nice. Yes. Oh putain, c'était tellement chaud. À un moment, j'étais entre deux saucisses quoi. Je pouvais plus, gros. J'en pouvais plus. Oh, je suis si ému. Aïe aïe aïe. Je suis si ému. Chat.
Allez, maintenant demi-tour. Ah, oh, trop bien, on a fait un truc qu'on aurait dû faire il y a une heure si le jeu était pas bugué. Merde. Et tu sais que là, Adrien, si ça avait été allume-mèche sur toi, on l'avait pas, parce que t'avais un tonneau dans c'était les mains. C'est pas possible, puisqu'elle venait de lancer allume-mèche, et on ne lance pas de capacité d'affilée car il y a un cycle d'incantation. C'est un truc par là, du coup. Alors, il est, normalement, par là-bas. Il est ici, normalement. Il est pas là. Pourquoi il est pas là? De ce côté? Là. Si, il est à droite, là. Vu. Juste à droite, là. Super Bator 3000. Oui, lui. Des engrenages et câbles endommagés pendant pente de ce moissonneur hors d'usage. Réparer le moissonneur. Ah. Salut. Mais... Quatre. Mais au secours. Ok. Et voilà, plus que deux. Attends, je vais tout de suite me faire un Brutique noire enclume et Lise Villepeau. Le haut fait s'appelle. On ne bouge plus et il faut empêcher le capitaine de l'effroi de bondir en retrait tant qu'elle dispose de l'aura d'esquive et la vaincre. Écoute. Alors, capitaine de l'effroi Boisclos va constamment essayer d'utiliser son habilité évasif si elle n'est ni snare ni route. Le HF d'accord. est actuellement bugué, confirmé par plusieurs Game Masters. Cool! Pour outrepasser le bug, il faut utiliser un long spell de CC sur elle quand elle est à 97% d'énergie, comme éclair de givre. Un quoi, pardon? Un long spell? Un long spell de CC, comme éclair de givre, mes éclairs de givre, ou lenteur en arcane. C'est un spell. Oui. Voilà. Et il faut tuer super vite le canonnier corps cendre et utiliser munitions instables avant que le snare ne fade, c'est-à-dire 15 secondes pour l'éclair de givre. Ok, donc c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est. Oui. On va garder tous ces CD. On va garder tous ces CD et on claque tous ces CD sur la transi sur le marin, ok, okay. Ouais. Vas-y, poule, je monte. Vas-y, poule. Oui, pardon. C'est vrai que j'ai l'habitude. Vas-y, vas-y. Quand tu veux. Pense bien à remettre ton bizarre quand même juste avant. Dis-le-moi. Sauf pendant la transi, tu le remettras. Mets-le maintenant, ton bizarre. Ouais, vas-y. On est large en vrai, donc vas-y. Voilà. Et là, dès que ça va arriver, BL, c'est parti. Crâne, et là on défonce, c'est parti. Oublie pas, je vais plutôt sur la droite, hein. Et toi plutôt sur la gauche. J'ai vu que les signes ont disparu. Nice. Il est blanc. Ok, go, on le finit. Nice, parfait. Par contre, là, s'il y a une autre phase, on est niqué. Hein. Donc, claquez tout. Non, mais il y aura jamais d'autre phase, il va se faire décimer. Il a vraiment 0 HP, ce boss comparé aux autres. En tout cas, GG pour ce first try. Un de plus. Ben, bien joué. Putain, GG. Bravo. Par contre, du coup, je suis désolé, le HF n'a rien à voir avec ah oui, le HF n'a rien à voir. Non, mais c'est full buggé. Le HF est full buggé. Le HF, c'est censé être. Il doit pas jump dans tous les sens. Oui, non, mais c'est juste. Il doit pas tirer au canon. Oh sa description est buggée, son contenu est buggé, enfin, tout est buggé. Genre, vraiment, c'est. Alors, regarde. Ça, on peut toujours interagir, on est d'accord. Hein. Oui, on peut parler. 54. Attends, je vais le faire. 54. Okay. 74. Pourquoi t'es pas en dessous? Attendez, descendez là? Là où je suis? Il y a des trucs en dessous. Sur le bateau là? Ah, ouais, regarde forgeron, là! Forgeron, là. Ici! Oh, j'ai sauté! Merde! Ouais, c'est bon, tranquille, allez sauter! Oh. Non, c'est bon! Allez! Ok, vous êtes prêts? Ouais! C'est parti! Donne tout 0. Ah, j'ai tout donné là! Oh, ouais. Bon, il est stock lui comparé aux autres! Ah, oui, lui c'est bien forgeron! Bah, c'est un forgeron! c'est ce bon vieux brutique noir enclume! Par contre, Ouais, bon, bah, en tout cas, bon, il est plus stock que. que dur à tuer, quoi. C'est clair. Il est que stock, hein, il y a que. Voilà, c'est tout. Hein, c'est... On y est bien. Mais Alchi, ça doit être là, non? Oui, c'est ici. C'est ici, attendez, c'est bon. Attends, c'est où? Alors. Bah, le waypoint. Ah, là-bas. Je pense qu'il faut tuer les trashs et que le flacon est quelque part là. Ouais. Oui, c'est bon, je le vois. C'est violet 3. Ah oui. Prendre tout, hein, je pense. Oh non, on n'en prend pas tout le bruit là. Oh, oh là là. Tiens. Oh. C'est qui l'alchi? C'est Ono. Ah oui, c'est vrai. Ça démarre. À quoi il va ressembler lui? Et c'est le ouf qui va tomber les amis. Oh, ce prolusque. Non, le fait juste sans machin là. Voilà, bah, sans confession.
Nickel, il nous en manque qu'un seul, et c'est celui du dernier boss, avec les flets. Ah, attends, peut-être, quoique ouais, si c'est une condition, c'est possible, hein. Le type de HF avec un compteur slash 15 devient blanc au dernier. Ouais, donc en vrai, okay. Qu'est-ce qui fait que ce soit ratable, là, y aurait rien, quoi. Bah, le fait que ce soit invalidé dès le début parce que code du jeu, tu vois. En vrai, tu vois ce que je veux dire. Non mais tranquille, de toute façon, quand on aura mis les 15 poissons, on verra s'il passe blanc et sinon, bah, on va en fait, c'est ça. Je vais compter et voilà. C'est parti. Enfin, je vais compter, non, je vais pas compter. On va faire full poisson et on verra ce qui se passe. 1, 2, enfin oui, on verra. Qui fait les canons? Je fais les canons, Wingo fait les canons, Joss fait les canons. Je préférerais pas les faire parce que c'est quand même un boss de heal. Pas de faire le canon. Allez, okay. Tu fais le canon le premier, je fais le deuxième. D'accord. Vous êtes prêts? Non, mais fait toujours le même, oui. Non, toujours le même. Descends non, de temps. Il y a un toujours crâne et ensuite. Pourquoi tu veux qu'il descende en fait? C'est cool. Parce que je peux pas le. Il peut pas me détendre. Go, okay, focus celle de gauche et après on switch sur droite. 3, 2, 1, c'est parti. Mais c'est quoi l'habilité de l'eau là? En gros, quand il va bump, tu vas voir, il va lancer toute main d'eau au sol. Merci Astronaute 74. Et là, ouais, c'est ça. Et là, il y a des poissons. Donc il y en a un. Paf. Deux. Ah, mais d'accord. Faut un peu. Bon, ok, moi je peux pas le faire. Oh, my bad, je me suis auto kill. Tu peux me dispel. Attends, deux secondes. Faites gaffe, à nouveau. On peut tout faire sur la première en fait, non? Moi je vais pas faire les poissons, hein, du coup. On peut tout faire sur la première. Ah ouais? Bah vas-y, on fait ça. Faites toujours la destructeur par contre, s'il vous plaît. Ouais, on attaque pas la terreur agrippante et voilà. La démolisseuse. Attention, je vais te dispel Ono. Voilà. Oui, désolé, c'est le destructeur, c'est en anglais. Oui, y'a pas de soucis. Faites les poissons. Y'en a pas. Ok, donc regarde que c'est sur chaque wave. Okay. Ouais, on peut pas. Ça doit être sur chaque wave. Vous clim les deux. Et là, on les a bien tous envoyés. Attention, je vais dispel Wingo. 3, 2, 1. Ok. On va voir. Juste sur cette wave. Ah, si, y'en a plein. Y'en a, oh, y'en a masse. Venez nous aider. Bon, du coup, on reste. On finit. Il faut vraiment me la finir. Ah bon. Non, mais tuez l'autre. Toutes les démolisseuses en vrai. Oh putain. Tu peux me dispel. Attends, les poissons. Maintenant, vas-y, je te dispel. Les poissons, s'il vous plaît. Ouais. Les rogues là. Mais je fais que ça, gros. Ok, tant mieux. C'est bon, il est blanc. Ok. Ah, bon, au moins, okay, on sait que ça peut se valider comme ça. On finit le démolisseur, s'il vous plaît. Et ensuite, on fait le boss. À droite, et voilà. Je vais te dispel ou non? Attends. Attention. Vas-y, maintenant, tu peux. Yes. Ok, on finit celle de droite là, s'il vous plaît. Parfait, nickel. Wingo, tu fais la première? Oui, j'attends juste qu'il répare le canon. Dispel, c'est bon? Ok, nice. Faut qu'il répare le canon là. Ok, là vous focussez bien pareil, démolisseur de devant. On le défonce celui de devant et après. Je vais rester en heal pour être safe. Celui de derrière. C'est. Là c'est le contraire, je pense, Zera. Putain, Wingo. C'est genre le boss gear check. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Les poissons. Ah non, c'est pas la peine, les poissons, quel con. C'est bon. On peut BL sur la dernière phase si vous voulez. Oui, je vais pas dispel Joe, je ferai les prochains. Juste la dernière phase. Dernière phase, vous allez BL. Il y a un destructeur. Finissez derrière l'ingénieur. Je peux pas te dispel encore, je me suis le fait sur moi. Finissez l'ingénieur. Oh non, t'étais hors loss avec le canon. Oh. Ok, c'est good, on finit le démolisseur. Donc la dernière phase, d'accord. Mais Joe, pourquoi tu prends la sauce comme ça? What the fuck? Mais parce que j'ai le truc en fait. Non, c'est tu l'as pas. Pourquoi je l'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, je sais. Oui, mais en fait, s'il reste à un certain moment, il proc, il fait plus mal. Oui, je sais. Je sais tout ça. Je vous mets la marche sur l'eau. Bah, du coup, tu as la réponse. Non, tu prenais des dégâts alors que t'avais rien. C'est pour ça que je me posais des questions. Okay. Je vais pas te dispel encore. Focusser derrière directement, BL. Focusser juste la terreur agrippante derrière. Zera, si jamais, d'accord, il y a une nouvelle terreur, tu te mets juste devant, tu la taunt et tu te procs. Ok. Pour éviter qu'elle se passe tout ça. Attention. Tu peux me call par contre si elle pop. Oui, je te dirai si elle call. Si elle pop. Attention. Non mais ça va, j'y vois en fait. Vous m'avez sauvé. Fini derrière. Une minute pour remettre ce et canon. On fait juste. On fait qu'un tir. Attention. Je sais pas qui l'a pas fait. Wingo, tu peux y aller peut-être. Moi je pourrais pas me mettre dedans. Attention. Yes. Ouais. Et bravo. Voilà. C'est fait. Bravo. Gloire aux héros. Battle for Azeroth. Aïe. Bah c'était hyper propre ce boss. C'était trop simple en vrai. Celui-là. Ouais.